Donc, notre déclaration, vous ferez la vôtre de votre côté. Le 3 novembre à 17h30 au square de l'Aspirant du Nant, à la suite d'une altercation verbale, Ferdinand Rey, 11 ans, armé d'un bâton, a frappé au visage notre fils Bruno Houillet. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de la lèvre supérieure, une brisure des deux incisives avec atteinte du nerf de l'incisive droite. Armé. Armé. Vous n'aimez pas armé. Qu'est-ce qu'on met, Michel? Muni, doté, muni d'un bâton, ça va? Oui, muni, c'est bien. Oui, muni d'un bâton. Muni. Muni. L'ironie est que nous avons toujours considéré le square de l'Aspirant du Nant comme un arbre de sécurité, contrairement au parc Montsouris. Oui, c'est vrai. Nous avons toujours dit le parc Montsouris, non, le square de l'Aspirant du Nant, oui. Comme quoi? En tout cas, nous vous remercions d'être venus. On ne gagne rien à s'installer dans une logique passionnelle. Oh non, mais c'est nous qui vous remercions, c'est nous. Oh, je crois pas qu'on ait à se dire merci. Par chance, il existe encore un art de vivre ensemble, non? Oui, que les enfants ne semblent pas encore avoir intégré, visiblement. Enfin, je veux dire le nôtre. Oui, le nôtre. Et qu'est-ce qui va arriver à la dent dont le nerf est touché? Alors, on ne sait pas. On est réservé sur le pronostic. Apparemment, le nerf n'est pas complètement exposé. Non. Il n'y a qu'un point qui est exposé. Il y a une partie qui est exposée, une partie qui est encore protégée. Par conséquent, pour le moment, on ne dévitalise pas. On essaie de donner une chance à la dent. Bah, ça serait quand même mieux d'éviter l'obturation canalaire. Oui. Donc, il y a une période de suivi où on donne une chance au nerf pour récupérer. En attendant, il va avoir des facettes en céramique. Bah, de toute façon, on ne peut pas mettre de facettes avant 18 ans. Non. Les prothèses définitives ne sont mises en place que lorsque la croissance est terminée. Bien sûr. J'espère que tout se passera bien. Espérons. Oh, elles sont ravissantes, ces tulipes. C'est le petit fleuriste du marché mouton du Vernet. Vous voyez celui qui est tout en haut? Ah oui. Elles arrivent tous les matins, directement de Hollande. Ah bon? 10 euros, là-bas, c'est de 50. Vous voyez celui qui est tout en haut? Oui. Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand? Ah non, il ne voulait pas. C'était impressionnant de voir cet enfant qui n'avait plus de visage, plus de dents. Et... Je refusais de parler. Oh, j'imagine. Il ne voulait pas le dénoncer, aussi par crainte de passer pour un rapporteur devant ses camarades. Il faut être honnête, Véronique, il n'y avait pas que sa bravoure. Certes. Mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Naturellement. Et comment... Enfin, je veux dire, comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Ah, mais parce que nous avons expliqué à Bruno qu'il ne rendait pas service à cet enfant le protégeant. Nous lui avons dit, si cet enfant pense qu'il peut continuer à taper sans être inquiété, pourquoi veux-tu qu'il s'arrête? Nous lui avons dit si nous étions les parents de cet enfant. Nous voudrions absolument être informés. Oh, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Excusez-moi, je suis obligé de prendre... Oui, Maurice. Oui. Ouais, c'est gentil de me rappeler. C'est gentil. Ouais. D'accord, alors je vous le dis, hein. c'est paru dans le journal des Échos ce matin. Alors... Attendez. Maurice. Oui, prenez un petit instant. Faut que je le retrouve. Alors. Voilà. Alors, Maurice. Allô. Oui, alors. Selon une étude publiée dans la revue britannique Lancet et reprise hier dans le Financial Times, deux chercheurs australiens auraient mis au jour les effets neurologiques de l'antryl, antihypertenseur des laboratoires Verens Pharma, allant de la baisse d'audition à l'ataxie. Ouais. D'accord, mais qui fait la veille média chez vous? Ah ouais, non, mais ça, c'est très emmerdant. Non, c'est pas ça. Non, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est la géo. Ben oui, mais vous avez une assemblée générale dans 15 jours. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez provisionné le litige?
Ouais. D'accord. Bon. Boris. Vous. Oui, oui. Maurice. Maurice. Oui, pardon. Bon, vous demandez au DIRCOM s'il y a d'autres crises qui sortent et puis vous me rappelez ensuite. D'accord. Merci. Excusez-moi. Vous êtes avocat. Et vous? À moi, je suis grossiste en articles ménagers. Véronique est écrivain et travaille à mi-temps dans une librairie d'art et d'histoire. Écrivain? J'ai participé à un ouvrage collectif sur la civilisation sabéenne à partir des fouilles reprises à la fin du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et à présent, je sors en janvier un ouvrage sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Je m'intéresse à cette partie du monde. Vous avez d'autres enfants? Bruno a une sœur de 9 ans, Camille, qui est fâchée avec son père. Parce que son père s'est débarrassé du hamster cette nuit. Vous êtes débarrassé du hamster? Ah oui! Ce hamster fait un bruit épouvantable la nuit. Bruno était exaspéré par le bruit du hamster. Ce sont des êtres qui dorment le jour. Moi, pour vous dire la vérité, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en débarrasser. Je me suis dit, ça suffit, je l'ai pris, je l'ai mis dans la rue. Je croyais que ces animaux aimaient les égouts, les canibaux. Pas du tout. Ils étaient pétrifiés sur le trottoir. En fait, ce ne sont ni des animaux sauvages, ni des animaux domestiques. Je ne sais pas où leur milieu naturel. Tiens, foulé dans une clairière. Ils sont malheureux aussi. Je ne sais pas où on peut les mettre. Et vous l'avez laissé dehors? Oh, il l'a laissé. Il a voulu faire croire à Camille qu'il s'était enfui. Sauf qu'elle ne l'a pas cru. Et ce matin, le hamster avait disparu. Ah ben, disparu. Et vous? Vous êtes dans quelle branche? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Ah. Est-ce qu'on pourrait imaginer... Oh, excusez-moi de poser la question de façon directe. Hein, que Ferdinand présente ses excuses à Bruno. Oh. Oui, oui. Ce serait bien qu'il se parle. Oui. Oh, oui. Il faut qu'il s'excuse, Alain. Il faut qu'il lui dise qu'il est désolé. Oui, sûrement, sûrement, sûrement. Est-ce qu'il est désolé? Ben, il se rend compte de son geste. Il n'en mesurait pas la portée. Il a 11 ans. Oh, bon, à 11 ans, on n'est plus un bébé. On n'est pas non plus un adulte. On nous a rien proposé. Café, thé. Est-ce qu'il reste du clafoutis, Véro? Un clafoutis exceptionnel. Oui, je veux bien. Un café serré, je veux bien. Oui. Un verre d'eau. Ah. Espresso aussi pour machin. Et apporte le clafoutis. Moi, je dis toujours, on est un tas de terre glaise. Et de ça, il faut faire quelque chose. Peut-être que ça ne prendra forme qu'à la fin. Est-ce qu'on sait? Vous devez goûter le clafoutis, hein. Ce n'est pas du tout évident, le clafoutis. C'est vrai. Et alors, sinon, vous mentez quoi, alors? À des articles ménagers. Casserole, poêle, mais des articles d'ameublement également. Serrure, poignée de porte, cuivre à souder. Ça marche, ça? Vous savez, on n'a jamais connu les années de feu. Quand on a commencé, c'était déjà nous. Mais si je pars tous les matins avec mon cartable et mon catalogue, ça marche. On n'est pas comme dans le textile. À la merci des saisons. Ah. Quoique, la terrine à foie gras, je la vends mieux en décembre. Oui. Quand vous avez vu que le hamster était pétrifié, pourquoi vous ne l'avez pas ramené à la maison? Mais parce que je ne pouvais pas le prendre dans mes mains. Mais vous l'aviez bien mis sur le trottoir. Ben, je l'ai apporté dans sa boîte et je l'ai renversé. Je ne peux pas toucher ces bêtes. Je ne sais pas qui a mis le clafoutis dans le frigo. Enfin, Monica met toujours tout dans le frigo, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il vous dit, Ferdinand? Sucre? Non, non, merci, non. Non, non. Il a quoi, votre clafoutis? Merci. Pomme et poire. Pomme et poire? Oh, ma petite recette.
Oh, mais il va être trop froid, hein, c'est dommage. Pomme poire, c'est la première fois. Oh, pomme poire, c'est classique. Mais il y a un truc. Ah bon? Il faut que la poire soit plus épaisse que la pomme. Parce que la poire cuit plus vite que la pomme. Ah, voilà. Mais ne dis pas le vrai secret. Laisse-les goûter. Très bon, très très bon. Succulent. Des miettes de pain d'épices. Oh, bravo. Un aménagement du clafoutis Picard. Oh, pour être honnête, je tiens de sa mère. Pain d'épices délicieux. Et en tout cas, ça nous donne l'occasion de découvrir une nouvelle recette. J'aurais préféré que mon fils ne perde pas de dents à cette occasion. Non, mais bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Tu l'exprimes curieusement. Mais pas du tout, je l'exprime... Excusez-moi, faut que je le prenne. Oui, Maurice. Oui, Maurice. Non, 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 pas de grande réponse. Non, non, attendez. Vous allez alimenter la polémique. Bon, est-ce que ça a été provisionné, alors? D'accord. Mais c'est quoi ces troubles, exactement? C'est quoi la taxi? D'accord. Et à dose normale? D'accord. Mais vous le savez depuis quand, ça? Et depuis tout ce temps-là, vous l'avez pas retiré? D'accord. Mais qu'est-ce que ça fait en chiffre d'affaires? Oui. D'accord. Ben, je comprends, là. Ok. Ok. Alain, sois avec nous, s'il te plaît. Oui, mais j'arrive. Ouais, Serge? Bon, il connaissait les risques depuis 2 ans. Non, non, rapport interne. Mais aucun effet indésirable n'est formellement établi. Hein. Non, non, ils n'ont pris aucune mesure de précaution, ils n'ont pas provisionné, pas un mot dans le rapport annuel, rien. Alors attends. Marche et brilleuse, problème d'équilibre. En gros, t'as l'air bourré en permanence. Non, chiffre d'affaires, 150 millions de dollars. Ah ben, il est en bloc. Attends, il voulait qu'on fasse un droit de réponse, cet abruti. On va certainement pas faire le droit de réponse. Ouais. Par contre, s'il y a d'autres prises qui sortent, là, tu peux communiquer. Tu vois, du genre, c'est bien toi, ça a 15 jours de la Géo, patate, patate. Et je vais me rappeler, là. Ok. Je suis désolé, j'ai à peine eu le temps de manger. Ben, servez-vous. Ah, merci. J'exagère. Oui, qu'est-ce qu'on disait déjà? Qu'il aurait été plus agréable de se rencontrer en d'autres circonstances. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ce clafoutis, c'est votre mère? Ah, c'est une recette de ma mère, mais c'est Véro qui l'a fait. Ta mère ne mélange pas les poires et les pommes? Non. Elle va se faire opérer, la pauvre. Ah bon? De quoi? Du genou. On va lui mettre une prothèse rotatoire en métal et polyéthylène. Elle se demande ce qui va en rester quand elle se fera incinérer. Oh, t'es méchant. Elle ne veut pas être enterrée avec mon père. Elle veut être placée et incinérée à côté de sa mère qui est toute seule dans le midi. Deux yeux qui vont discuter face à la mère. Nous sommes très touchés par votre générosité. Nous sommes sensibles au fait que vous tentiez d'aplanir la situation au lieu de l'envenimer. Franchement, c'est la moindre des choses. Ah oui. Non. Combien de parents prennent fait et cause pour leurs enfants de manière elle-même infantile? Si Bruno avait cassé deux dents à Ferdinand, est-ce que Alain et moi n'aurait pas eu une réaction plus épidermique? Je ne suis pas sûre qu'on aurait fait preuve d'une telle largeur de vue. Mais si. Non. Elle a raison, pas sûr. Mais si. Parce que nous savons tous très bien que l'inverse aurait pu arriver. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Ferdinand? Comment il vit la situation? Il est désemparé, je crois. Il réalise qu'il a défiguré son camarade. Non. Non, il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Non, mais pourquoi tu dis ça? Non, Ferdinand réalise, bien sûr. Il réalise qu'il a eu un comportement brutal, oui. Mais il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Ah, vous n'aimez pas le mot. Mais le mot est malheureusement juste. Notre fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré mon fils. Revenez ce soir à 5h, vous verrez sa bouche et ses dents. Momentanément défiguré. Bon, écoutez, sa bouche va dégonfler. Quant à ses dents, même s'il faut l'emmener chez meilleur dentiste, moi je suis prêt à participer. Ah non, les assurances sont là pour ça. Nous voudrions que les garçons se réconcilient et que ce genre d'épisode ne se reproduise pas. Organisons une rencontre. Voilà.
En notre présence? Ils n'ont pas besoin d'être coachés, écoutez, laissons-les entre hommes. Entre hommes, Alain, non mais c'est ridicule, hein. Bon, cela dit, on n'a peut-être pas besoin d'être là. Non, c'est vrai, ça serait mieux si on n'était pas là, non? Oh, mais la question n'est pas qu'on soit là ou pas. La question est, souhaite-t-il se parler? Souhaite-t-il s'expliquer? Bruno le souhaite. Mais Ferdinand? On ne doit pas lui demander son avis. Il faut que ça vienne de lui. Non, mais Ferdinand se comporte en voyou, on ne s'intéresse pas à ses états d'âme. Mais si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive, je vois pas ce qui peut en résulter de positif. Bon, écoutez, madame, notre fils est un sauvage, alors de toute façon, espérer de lui une contrition spontanée est irréel. Bon, moi je suis désolé, je dois vraiment retourner à mon cabinet, je vais vous laisser. Annette, tu restes, hein? Vous me raconterez ce que vous avez décidé, de toute façon, moi je ne sers à rien ici. C'est vrai, la femme pense qu'il faut le père, il faut l'homme. Comme si ça servait à quelque chose. L'homme est un paquet qu'on traîne derrière soi, donc forcément, il est décalé, maladroit. Ah, vous voyez mes pour et rien d'ici, c'est marrant ça. Bon, je suis confuse, mais je ne vais pas pouvoir m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été un père à poussette. Oh, c'est dommage. C'est merveilleux de promener un enfant, ça passe si vite. Oh, toi, Michel, tu appréciais de prendre soin des enfants. Ah. Et tu conduisais la poussette avec joie. Ah, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce que vous pouvez venir à 19h30 à la maison avec Bruno? 19h30, qu'est-ce que tu en penses, Michel? Moi, si je peux me permettre. Allez-y. Je pense que c'est plutôt Ferdinand qui devrait venir. Ah oui, je suis d'accord. Ce n'est pas la victime de se déplacer. C'est vrai. D'accord, mais donc moi à 19h30, je peux être nulle part. Nous n'avons pas besoin de toi puisque tu ne sers à rien. Ah ben quand même, ce serait mieux que ce père soit là. D'accord, mais un autre soir alors. Excusez-moi, pardon. Oui. Non, le bilan ne fait état de rien, mais il n'y a aucune preuve n'est formellement établie. Il n'y a pas de preuve. Demain? Non, demain je suis à La Haye, moi. Oh, vous travaillez à La Haye? Oui, j'ai une affaire devant la Cour pénale internationale. Bon, écoutez, l'essentiel, c'est que les enfants se parlent, alors je vais accompagner Ferdinand. Et on va les laisser s'expliquer, naturellement. Vous n'avez pas l'air convaincu? Si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chien de faïence, ce serait une catastrophe. Attendez là, que voulez-vous dire, madame? Que veut dire responsabiliser? Mais votre fils n'est sûrement pas un sauvage. Ah non, mais Ferdinand n'est pas du tout un sauvage. Si. Alain, c'est idiot, pourquoi dire une chose pareille? Mais si, c'est un sauvage. Mais comment il explique son geste? Il ne veut pas en parler. Mais il faudrait qu'il en parle. Bon, écoutez, madame, il faudrait beaucoup de choses, là. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il parle, il faudrait qu'il revienne, qu'il regrette. Je sais pas, moi, visiblement, vous avez les compétences qui nous font défaut. Alors, nous allons nous améliorer. En attendant, soyez indulgents. Bah, allez, on va pas se quitter bêtement là-dessus. Je parle pour lui, je parle pour Ferdinand. Merci, j'avais compris. Non, mais asseyez-nous encore 2 minutes. Encore un petit café. Bon, un petit café, je veux bien. Moi aussi, alors. Merci. Laisse, Véro, j'y vais. Je vois. De peinture, de photos, c'est un peu mon métier. Bacon, j'adore. Ah oui, bacon. Oh, cruauté et splendeur. Chaos, équilibre. Ferdinand s'intéresse à l'art? Oh, pas autant qu'il le faudrait. Vos enfants, oui? On essaie. On essaie de compenser le déficit scolaire en la matière. Oui. On essaie de les faire lire, de les emmener aux concerts, aux expositions. Nous avons la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Vous avez raison. Je me demandais, le clafoutis est-il une tarte ou un gâteau? Question sérieuse. Je pensais dans la cuisine, pourquoi la Lilsertorte est-elle une tarte? Merci. Le clafoutis est un gâteau. La pâte n'est pas abaissée, mais mélangée aux fruits. Oui, vous êtes une vraie cuisinière, vous. J'aime ça. La cuisine, faut aimer ça. Et de mon point de vue, seule la tarte classique, c'est-à-dire pâte aplatie, mérite le nom de tarte. Et vous avez d'autres enfants?
Oui, j'ai un fils d'un premier mariage. Je me demandais, bien que ce soit sans importance, quel était le motif de la dispute? Bruno est resté complètement muet sur ce point. Bruno a refusé de faire entrer Ferdinand dans sa bande. Bruno a une bande? Il s'est fait traiter de balance. Bah, tu savais que Bruno avait une bande? Ah non, mais je suis fou de joie. Bah, pourquoi t'es fou de joie? Parce que moi aussi, j'étais chef de bande. Bah, moi aussi. Non, mais bon, ça consiste en quoi? Alors, tu as 5 ou 6 gars qui t'aiment et qui sont prêts à se sacrifier pour toi, comme dans Ivanhoé. Voilà, comme dans Ivanhoé, exactement. Bah, qui connaît Ivanhoé aujourd'hui? Bon, ils prennent un autre type, ils prennent un Spider-Man. Enfin, je constate que vous en savez plus que nous. Apparemment, Ferdinand n'est pas resté aussi muet que vous voulez bien le dire. Et pourquoi l'a-t-il traité de balance? Oh non, c'est bête. Oh, c'est bête comme question. D'ailleurs, je m'en fiche, ça n'est pas le sujet. Non, on ne doit pas rentrer dans ces querelles d'enfants. Oh, ça nous regarde pas. Non. En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce qui s'est passé, malheureusement. La violence nous regarde. Quand j'étais chef de bande, en 7e, j'avais battu en combat singulier Didier Lehu. Qui était plus fort que moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Bah, on parle pas d'un combat singulier, les enfants ne se sont pas battus. Mais tout à fait, j'évoquais juste un souvenir. Il n'y a pas une grande différence. Ah si, permettez, monsieur, il y a une différence. Il y a une différence. Ah bon, mais laquelle? Avec Didier Leglu, nous étions d'accord pour nous battre. Ah, vous l'avez amoché? Ouais, sûrement pas, Didier Leglu. Non, oublions Didier Leglu. Est-ce que vous m'autorisez à parler à Ferdinand? Ah, oh, mais bien sûr. Ah, mais je voudrais pas le faire sans votre accord. Ah non, mais parlez-lui, il n'y a rien de plus normal. Oula, alors là, bon courage. Arrête, Alain, je ne comprends pas. Madame est animée. Véronique, on va mieux s'en sortir si on ne se dit plus monsieur, madame. Véronique, voyez, vous êtes mue par une ambition pédagogique qui est sympathique. Hein. Non, mais si vous voulez pas que je parle, je parle pas. Ah, mais parlez-lui, mais sermonnez-le, faites ce que vous voulez. Alors là. Je comprends pas que vous soyez pas davantage concernée. Mais madame. Véronique. Oui, Véronique. Il se trouve que je suis un peu plus concernée, voyez. Notre fils blesse un enfant. Volontairement mais... Vous voyez, là, c'est ce genre de commentaire là, qui me réveille. Volontairement, nous le savons, oui. Mais c'est toute la différence. Mais la différence entre quoi et quoi? On ne parle pas d'autre chose. Mon fils a pris un bâton et t'appelles vôtre. Bon, on est là pour ça, non? C'est stérile. Oui, elle a raison, ce genre de discussion est stérile. Mais pourquoi éprouvez-vous le besoin de le glisser volontairement là, hein? Quel type de leçon je suis censé recevoir, moi? Bon, écoutez, nous sommes sur une pente ridicule. Mon mari est angoissé par d'autres affaires, alors je vais revenir avec Ferdinand et on va laisser les choses se régler naturellement. Je suis aucunement angoissé. Eh ben moi je le suis. Mais on n'a aucune raison d'être angoissé. Mais si. Non, vous ne répondez pas. Non. Mais non, vous ne le retirez pas de la vente. Si vous le retirez, vous êtes responsable, Maurice. Oui, retirer l'entrée, c'est reconnaître votre responsabilité. Mais il n'y a rien dans les comptes annuels. Bon, d'accord. Alors écoutez, si vous voulez être poursuivi pour faux bilan et débarquer dans 15 jours, bah, allez-y, bah, retirez-le de la vente. L'an dernier, à la fête du collège. Mais c'était pas Ferdinand qui jouait monsieur de... Monsieur de Pourceaugnac. Monsieur de Pourceaugnac. Il était formidable. On se souviendrait bien de lui, monsieur de Pourceaugnac. Tu t'en souviens, Michel? Déguisé en femme. Il était drôle. Serge, bon ça y est, ça folle, ils ont les radios aux fesses. Voilà. Bon, tu me fais préparer un communiqué qui soit tout sauf défensif. Non, au contraire, vous allez au canon, là. Bon, vous insistez sur le fait que Vérence Pharma est victime d'une tentative de déstabilisation à 15 jours de son AGO. Alors, d'où vient cette étude? Pourquoi elle tombe du ciel maintenant? Pas un mot sur le problème de santé. Hein. D'accord? Voilà, une seule question. Qui est derrière l'étude? D'accord? Ils sont terribles, ces labos. Hein. Profit. Attendez, vous n'êtes pas censé partager mes conversations non plus. Là. Ah, vous n'êtes pas obligé de l'avoir avant moi. Ah si, je suis tout à fait obligé de l'avoir ici contre mon gré, croyez bien. Il te faut la camelote sans aucun état d'âme. Alors, attendez, vous savez, dans le domaine thérapeutique, toute avancée est associée à un bénéfice et à un risque. Oui, j'entends bien. N'empêche, vous faites un drôle de métier quand même. C'est-à-dire? Non mais Michel, ça ne nous regarde pas. Un drôle de métier. D'accord, mais vous faites quoi, vous? Moi, je fais un métier ordinaire. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est un métier ordinaire? Je vends des casseroles, je vous l'ai dit. Ah, bah oui. Et des poignées de porte. Et des mécanismes de WC. Ah, ça m'intéresse, ça j'aime bien.
Alain! Mais si, ça m'intéresse. Moi, les mécanismes de WC, j'adore ça. Mais pourquoi pas? Alors, vous en avez combien de sortes? Il y a deux sortes. À tirette ou à poussoir. Eh oui. Ça dépend de l'alimentation. Eh oui. Soit l'arrivée d'eau se fait par le haut, soit elle se fait par le bas. Bien sûr. Je peux vous présenter un de mes magazines. Est-ce que vous comptez sanctionner Ferdinand d'une manière ou d'une autre? Vous continuerez la plomberie dans un environnement plus adéquat. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que vous avez? C'est vrai, t'es toute pâle. C'est vrai, vous êtes pas là. J'ai mal au cœur. Mal au cœur, j'ai du Prapérin. Non, 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 ça va aller. Mais qu'est-ce qu'on pourrait... Du coca. Du coca, c'est non, très bon. Non, ça va aller. Bah, marchez un peu, faites quelque part. Ouais, passez-moi Serge, s'il vous plaît. Ah, il est pas là. Hein. Bon, vous dites qu'il me rappelle tout de suite. Hein. Vous croyez? Non, c'est très urgent. La petite gorgée. Vous êtes sûr que c'est bon, le coca? C'est pas plutôt pour la diarrhée, ça? Pas uniquement. Ça va. Ça va. Bon, écoutez, madame. Si nous souhaitons réprimander notre enfant, nous le ferons à notre façon, sans avoir de compte à rendre à personne. Absolument. Absolument quoi, Michel? Ils font ce qu'ils veulent avec leur fils. Ils sont libres. Je ne trouve pas. Ah, tu ne trouves pas quoi, Véro? Qu'ils soient libres. Tiens, allez-y, développe. Non, mais c'est... Attends, attends. Oui. Ah. Parfait. Eh bien, parfait. Super. Bon, par contre, vous oubliez pas, hein. Il n'y a aucune preuve, aucune certitude. Hein. Okay. Bon. Et vous ne bourrez pas là-dessus. Non, non, parce que si Maurice saute, nous on saute avec lui dans 15 jours. Hein. Ça suffit bon, alors mais... Ça suffit maintenant, ce portable, sois avec nous, merde. D'accord, mais tu me rappelles pour le lire avant. Ok? Merci. Attends, non, mais ça va pas, c'est comme ça. Serge a tout entendu, là. Non, mais tant mieux, parce que ça fait chier, ce portable, tout le temps. Annette, c'est bon, je suis déjà bien gentil d'être là. Hein. Oh, c'est extravagant. Je vomis. Mais non, mais tu vas pas vomir. Si. Vous voulez aller aux toilettes? Personne ne t'oblige à rester, hein? Ça, personne ne l'oblige à rester. Ça tourne? Regarde un point fixe, vas-y, regarde un point fixe. Non, mais quand même, ça serait peut-être mieux qu'elle aille aux toilettes. C'est hein. Vrai, si t'as envie de vomir, va aux toilettes. Ça peut pas être de la foutue. Bon, il est d'hier. Bon. Ne me touche pas. Mais tout calme-toi, c'est chauffé nettement. Non, pour mon mari, tout ce qui est école, maison, jardin, c'est de mon ressort. Mais non. Mais si. Je comprends parce que c'est mortel tout ça. C'est mortel. Bon, si c'est tellement mortel, pourquoi mettre des enfants au monde, hein? Peut-être que Ferdinand recense des intérêts. Oh. Mais quels des intérêts? Mais vous le dites vous-même. Oh, ah, merde. Va chercher le bassin. Va chercher le bassin. Mais voilà, nos problèmes, tout douce, t'as envie de vomir, ça. Ah, c'est vrai que le costume a écopé, hein. Ça peut pas être le clafoutis, hein. C'est sûr que non. C'est pas le clafoutis, c'est nerveux, ça, c'est nerveux. Vous venez pour vous de la salle de bain? Bah oui, j'aimerais bien, oui. Oh. Mon Dieu, le Kokoschka! Mais donne-lui du préférant! C'est pas tout de suite, attendez, c'est pas où la salle de bain? Oui, oui, je vous montre. C'est nerveux! C'est une crise nerveuse! Vous êtes une maman, Annette, hein? Que vous le vouliez ou non. Je comprends que vous soyez en place. Moi, je dis toujours, on ne peut pas dominer ceux qui nous dominent. Chez moi, ça se met dans les cervicales. Hein. Blocage des cervicales. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Kokoschka? Moi, j'assainirai avec du monsieur propre. Le problème, c'est le séchage. Ou alors, tu nettoies avec de l'eau et tu mets du parfum. Du parfum? Tiens, prends mon couvreau, ça, je m'en sers jamais. Ça va gondoler. On peut mettre un coup de séchoir et aplatir avec d'autres livres par-dessus. Ou alors, les repasser comme avec les billets. Oh là là. Je vous rachèterai. Mais il est introuvable, il n'est plus depuis longtemps. Je suis désolée. Laisse-moi faire, mais on va le récupérer. Mais c'est une réédition qui a plus de 20 ans du catalogue de l'exposition de 53 de Londres. Va chercher le séchoir. Et apporte le couvreau dans le placard des serviettes. Son mari est dans la salle de bain. Mais il n'est pas à poil! J'ai enlevé le gros. Un petit coup sur les dalgas. Je reviens. Ça va? Ça va. Je pulvérise? Où est le séchoir? Il l'apporte dès qu'il a fini. On l'attend, on mettra le courroux au dernier moment.
utiliser la salle de bain, moi aussi. Oui, oui, bien sûr. Oh, je sais pas comment m'excuser. Hein. Quel cauchemar atroce! Lui, faudrait pas qu'il me pousse trop. Oh, elle est épouvantable, elle aussi. Moins. Oh, elle est fausse. Elle me gêne moins. Ils sont épouvantables tous les deux. Mais pourquoi tu te mets de leur côté? Mais je me mets pas de leur côté, qu'est-ce que ça veut dire? Tu temporises, tu veux ménager la chèvre et le chou. Mais pas du tout. Mais tu leur racontes tes exploits de chef de bande et tu leur dis qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur fils. Alors que le fils est un danger public. Et quand un gosse est un danger public, eh ben c'est l'affaire de tout le monde. Oh, c'est dément qu'elle est dégueulée sur mes livres. Le dogme. Mais quand on sent qu'on va gerber, on prend les devants. Oh, c'est dégueulasse. Ah, j'étais limite avec les mécanismes de chiottes. Hein. Oh, t'étais parfait. J'ai bien répondu, non? Parfait, le magasinier était parfait. Ah, quel merdeux celui-là. Oh. Comment il l'appelle déjà? Toutou. Ah, toutou. Toutou, 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 toutou. Toutou. Oui, je l'appelle Toutou, oui. Pardon, c'est... Oh, c'était pas méchant, c'est... On se moque facilement du petit nom des autres. Et nous, comment on s'appelle déjà, Michel? Sûrement pire. Vous voulez le séchoir? Ah oui, merci. Oui, merci. Nous, on s'appelle Darjeeling, comme le thé. À mon avis, c'est nettement plus ridicule. Hein. Comment se sent-elle, la pauvre, mieux? Oui, oui, ça va mieux, oui. J'ai eu une très mauvaise réaction, hein, j'ai honte. Mais non, mais non. Oh bah si, je l'ai accablé avec mon catalogue, je reviens pas. Allez, lise bien, là, voilà. Là, tourne la page. Mais attendez, vous allez déchirer, là, hein, sur le côté. Oui, non, c'est bon, Michel, c'est... Oh. On tient absurdement à des choses, hein, on sait même pas pourquoi, au fond. Et d'où ça vient, Toutou? Rien, c'est une chanson de Paolo Conte, qui faisait wa, wa, tu, tu, ah wa, wa, oui. Je la connais, hein, je la connais. Toutou. Oui. Tu, tu. Nous, c'est une variation de Darling, après un voyage de noces en Inde. C'est con. Je devrais pas aller la voir. Vas-y, Darjeeling. J'y vais. Oh, Annette, je m'inquiétais. Vous êtes mieux? Je crois. Mm. Bah, si t'es pas sûre, tiens-toi loin de la table basse. Hein. J'ai mis la serviette dans la baignoire, je savais pas où la mettre. Idéal! Oh, vous avez pu nettoyer, je suis désolée. Voilà, tout est parfait, tout est en ordre. Annette, pardonnez-moi, je me suis, pour ainsi dire, pas occupée d'où, je me suis focalisée sur mon cocoche. Non, ne vous inquiétez pas. Oh, si, si, j'ai eu une très mauvaise réaction. Mais non. Je me suis dit quelque chose dans ma salle de bain. Oui? Bon, on est peut-être passé un peu vite sur... Enfin, je veux dire... Dites, Annette, dites. Pas l'insulte aussi, c'est une agression. Bien sûr. Ça dépend, Michel. Ça dépend. Ferdinand ne s'est jamais montré violent. Il ne peut l'avoir été sans raison. Oui, et il s'est fait traiter de... Il s'est traité de balance. Pardon. Oui. Ah non, 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 à condition qu'aucune victime ne s'exprime. Non, non, pas de victime. Je ne veux pas que vous soyez à côté de victime. Eh ben, on est en bloc, et si le fond, on attaque le journal, tiens. Voilà. Oui, oui, tout de suite. Moi, si on me traite de balance, hein, moi, je m'énerve. À moins que ce soit vrai. Pardon? Enfin, je veux dire si c'est justifié. Vous dites que mon fils est une balance? Mais non, je plaisantais! Bah, le vôtre aussi, hein, si on va par là. Comment ça, le nôtre aussi? Bah, il a bien dénoncé Ferdinand. Mais sur notre insistance? Non, mais Michel, on sort complètement du sujet, là. Non, mais peu importe sur votre insistance ou pas, il l'a dénoncé. Bon, Annette, faut... Quoi, Annette? Vous pensez que mon fils est une balance? Mais je ne pense rien du tout. Mais alors, si vous pensez rien, ne dites rien, hein? Ne faites pas ces réflexions insinuantes. Non, mais Annette, gardons notre calme. Michel et moi, nous efforçons d'être conciliants et modérés. Pas si modérés. Bon, Toutou. Ah bon, pourquoi? Modérés en surface. D'accord. Toutou, là, faut vraiment que j'aille. Vas-y, sois lâche. Non, mais écoute, en ce moment, je suis en train de risquer mon plus gros client. Alors, tu m'excuseras, moi, c'est pinaillerie de parents responsables. Oh, mon fils a perdu deux dents, deux incisives. On va le savoir. Dans une, définitivement. Oui, 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 mais on va lui en mettre d'autres, des mieux, il en aura d'autres. Hein, ça va, on ne va pas promettre d'un pan non plus. Nous avons tort de ne pas considérer l'origine du problème. Mais il n'y a pas d'origine.
Il y a un enfant de 11 ans qui frappe avec un bâton. Armé d'un bâton. Bon, nous avons retiré ce mot. Oui, attendez, vous l'avez retiré parce que nous avons émis l'objection. Nous l'avons retiré sans discuter. Un mot qui exclut délibérément la maladresse, qui exclut l'erreur, qui exclut l'enfance, monsieur. Oh, je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce ton. De toute façon, vous et moi depuis le début, on a beaucoup de mal à s'accorder. Monsieur, il n'y a rien de plus odieux que de s'entendre reprocher ce qu'on a soi-même considéré comme une erreur. Le mot armé ne convenait pas, vous l'avons retiré. Cependant, si on s'en tient à la stricte définition du mot, son usage n'est pas abusif. Ferdinand s'est fait insulter et il a réagi. Moi, si on m'attaque, ben je me défends. Surtout si je suis seule face à une bande. Ça vous a requinqué de les gobiller. Oh, non mais alors, vous mesurez la grossièreté de votre phrase. Non mais, nous sommes tous les quatre des gens de bonne volonté, j'en suis sûr. Pourquoi se laisser déborder par des irritations, des crispations inutiles? Ça suffit, Michel. Cessons de vouloir temporiser, puisque nous sommes modérés en surface. Ah. Ne le soyons plus. Ah non, je refuse de me laisser entraîner sur cette pente. Mais quelle pente? La pente lamentable où ces deux petits cons nous ont mis, voilà! Ah là, je doute que Véro adhère à cette... Véronique! Oui, Véronique, pardon. Alors, tu veux être un petit con maintenant, le pauvre? C'est un comble! Bon, allez-y, moi je lâche prise. Au revoir, madame. Allô? Oui, maman. Non, nous sommes avec des amis. Oui, supprimez, fais ce qu'ils te disent. Tu prends l'entrille? Attends, ne quitte pas, maman. C'est l'entrille, votre saloperie? Ma mère en prend. Des milliers de gens en prennent. Alors celui-là, tu l'arrêtes immédiatement, hein, sur le champ. Hein. Bah, tu m'entends, maman? Mais ne discute pas, je t'expliquerai. Tu dis au docteur Perrolo que c'est moi qui te l'interdis. Pourquoi rouge? Pour que qui te voit? Bon, maman, c'est complètement idiot. On en reparle tout à l'heure. Je te rappelle, je t'embrasse. Au revoir, maman. Elle a loué des béquilles rouges pour ne pas se faire écraser par les camions. Au cas où, dans son état, il reste baladé sur l'autoroute. Et on lui donne de l'entrille pour son hypertension. Ouais, si elle en prend qu'elle a l'air normale, moi je la fais citer comme témoin. Ah, je n'apprécie pas du tout votre cynisme. Hein. Si ma mère présente le moindre symptôme, vous me verrez en tête des cassations. De toute façon, on l'aura de toute manière. Et je le souhaite. Au revoir, madame. Ça sert à rien de bien se comporter. L'honnêteté est une idiotie qui ne fait que nous affaiblir et nous désarmer. Bon, allez, on y va, on en a assez entendu, on prêche ça à mon père. Eh oui, partez, mais laissez-moi vous dire, depuis que je vous ai rencontré, il me semble, comment s'appelle-t-il? Ferdinand, à des circonstances assez atténuantes. Quand vous avez tué le hamster... Tué? Oui. J'ai tué le hamster? Oui. Non, mais vous vous efforcez de nous culpabiliser. Vous avez mis la vertu dans votre poche, alors que vous êtes un assassin vous-même. Je n'ai absolument pas tué le hamster. Mais c'est pire! Vous l'avez laissé tremblant d'angoisse dans un milieu hostile. Ce pauvre hamster a dû être mangé par un chien. Ou un rat. Ça, c'est vrai. Comment ça, ça c'est vrai? Bah, ça c'est vrai, Michel. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est affreux ce qui a dû arriver à cette bête. Mais je pensais que l'hamster serait en liberté. Pour moi, il allait se mettre à courir dans le caniveau, ivre de joie. Ouais, bah, il ne l'a pas fait. Et vous l'avez abandonné. Je ne peux pas toucher ces bêtes. Je ne peux pas toucher cet ami-là. Merde, tu le sais bien, Véro. Il a peur des rongeurs. Oui, les rongeurs m'effraient, les reptiles me terrorisent. Je n'ai aucune affinité avec ce qui est près du sol, voilà. Mais alors vous, pourquoi vous n'êtes pas descendu chercher, alors? Moi? Oh, mais j'ignorais tout, voyons. Michel nous a dit aux enfants et à moi que le hamster s'était enfui le lendemain matin et je suis descendue tout de suite. J'ai fait le tour du pâté et je suis même allée à la cave. Véronique, je trouve odieux d'être subitement sur la sellette pour cette histoire d'hamster que tu as cru bon raconter. C'est une histoire personnelle qui ne regarde que nous et qui n'a rien à voir avec la situation présente. Et je trouve inconcevable de me faire traiter d'assassin dans ma maison. Je vois pas ce que ta maison a à voir là-dedans. Bah, une maison dont j'ouvre les portes, dont j'ouvre grand les portes, dans un esprit de conciliation. Et vous continuez à vous jeter des fleurs, mais c'est merveilleux ça. Vous n'éprouvez pas de remords? Je n'éprouve aucun remords. Cet animal m'a toujours répugné. Je suis ravi qu'il ne soit plus. Oh Michel, c'est ridicule. Mais qu'est-ce qui est ridicule? Alors, tu viens pas toi aussi, hein.
Leur fils tabasse Bruno. Et on me fait chier pour un hamster. Mais tu t'es très mal comporté avec ce hamster, tu peux pas le nier. Mais je me fous de ce hamster. Ouais, bah tu pourras pas t'en foutre ce soir avec ah, ta fille. Ah mais quelle vienne celle-là. Je ne vais pas me faire dicter ma conduite par une morveuse de maman. Ah ouais, là, je le rejoins à 100%. Oh, c'est lamentable. Attention, Véronique. Attention. Jusqu'à maintenant, je me suis montré pondéré. Mais je suis à deux doigts de verser de l'autre côté. Et Bruno? Quoi, Bruno? Il n'est pas triste. À mon avis, Bruno a d'autres soucis. Bruno était moins attaché à Grignotte. Ah, quel grotesque, ça aussi. Mais si vous n'éprouvez pas de remords, pourquoi voulez-vous que notre fils en éprouve? Ah, je vais vous dire. Toutes ces délibérations à la con, j'en ai par-dessus la tête. Hein. On a voulu être sympathique, on a acheté des tulipes. Ma femme m'a déguisé en type de bouche. Mais la vérité, c'est que je n'ai aucun self-control. Hein. Moi, je suis un caractériel pur, hein. Non. Mais on l'est tous. Ah non, non, je regrette, nous ne sommes pas tous des caractériels. Bon, pas vous. Ah non, pas moi, Dieu merci. Mais pas toi, Dardy, pas toi. Toi, tu es une femme évoluée, tu es à l'abri des dérapages. Pourquoi tu m'agresses? Je t'agresse pas, au contraire. Ah si, tu m'agresses, tu le sais. Tu as organisé ce petit raout, je me suis laissé embrigader. Tu t'es laissé embrigader? Oui. C'est odieux. Tu milites pour la civilisation, c'est tout à ton honneur. Je milite pour la civilisation parfaitement. Et heureusement qu'il y a des gens qui le font. Tu trouves que c'est mieux d'être un caractériel? Non mais c'est normal de reprocher à quelqu'un de ne pas être caractériel. Non mais personne ne dit ça. Personne ne vous fait ce reproche. Si. Mais non. Bah qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Porter plainte, ne pas se parler, s'entretuer par assurance interposée? Arrête, Véro. Arrête quoi? Ah, c'est disproportionné. Je m'en fiche. Ah, on essaie d'échapper à la mesquinerie, on se retrouve humilié, complètement seul. Oui, oui. Qui le prouve? Prouvez-le, mais à mon avis, il vaut mieux pas répondre. Hein. On est tout le temps seul, partout. Mais quelqu'un en veut? Maurice, je vous rappelle du bureau, je suis en rendez-vous, là. Voilà, je viens avec un être complètement négatif. Qui est négatif? Moi. C'était la pire idée du monde, on n'aurait jamais dû faire cette réunion. Mais je te l'avais dit. Tu me l'avais dit? Oui. Tu m'avais dit que tu voulais pas faire cette réunion? Je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. Oh, mais c'était une bonne idée. Oh, je vous en prie, quelqu'un veut? Tu m'avais dit que tu trouvais que c'était pas une bonne idée, Michel. Il me semble. Il te semble? Ouais, un fond de verre, je veux bien. Voilà. Tu ne veux pas y aller? Ça va, je peux prendre un petit verre au bout où on en est, là. Regarde-moi dans les yeux. Répète que nous n'étions pas d'accord sur cette question. Oh non, mais calmez-vous, Véronique, ça n'a pas de sens. Qui a empêché qu'on touche au clafoutis ce matin? Oh non. Qui a dit on garde le clafoutis pour les rails? Qui l'a dit? C'est vrai que c'était sympa. Non mais quel rapport? Comment quel rapport? Mais quand on reçoit des gens, on reçoit des gens. Tu mens! Tu mens! Il ment! Véronique, vous savez, moi personnellement, ma femme traînait jusqu'ici. Hein. Quand on est élevé dans une idée John Wayneienne de la virilité, on n'a pas envie de voir se régler ce genre de situation à coup de conversation. Je croyais que c'était Ivanhoé le modèle. C'est la même ligne. C'est complémentaire. Voilà. Complémentaire. Mais jusqu'où tu vas t'humilier, Michel? Je l'ai traîné pour rien, visiblement. T'espérais quoi, toutou? C'est vrai que c'est assez ridicule comme surlant, quand même. Non, mais franchement, une révélation de l'harmonie universelle. Extra, ce Rome, hein? N'est-ce pas, hein? Ah ouais. Cœur de chauffe, 15 ans d'âge, direct Sainte-Rose. Et Tulip? C'est qui? J'ai dit, c'est dommage qu'on n'ait pas de Tulip. J'ai pas demandé qu'on se rue à Mouton du Vernet des Lombes. Ne vous mettez pas dans cet état, Véronique. Non, mais c'est lui! C'est lui, les Tulipes! C'est lui, lui seul! Bah, on n'a pas le droit de boire un coup, nous deux. Oui, nous en voulons aussi, Véronique et moi. Oh, amusant, entre parenthèses, quelqu'un qui se réclame d'Ivanhoé et de John Wayne et qui n'est pas capable de tenir une souris entre ses mains. C'est vrai, c'est visible. Bah stop avec ce hamster, stop. Et elle? Je ne crois pas que ça soit nécessaire. Serre-moi Michel. Non. Michel! Qu'est-ce qui vous prend, Michel? Vas-y, bois, bois, quelle importance. C'est mauvais pour vous, l'alcool. C'est excellent. De toute façon, qu'est-ce qui peut être mauvais? Bon, 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 bah alors, monsieur, je ne sais pas. Oui. Alain. Oui. Alain.
Nous n'avons pas d'atome crochu, vous et moi. Mais voyez, je vis avec un homme qui a décidé une fois pour toutes que la vie était médiocre. C'est très difficile de vivre avec un homme qui s'est blotti dans son parti pris, qui veut rien changer, qui s'emballe pour rien. Mais il s'en tape complètement. On a besoin de croire en une correction possible, non? Mais c'est la dernière personne à qui tu peux raconter tout ça. Je parle à qui je veux, merde. Ah mais qui nous? Oui, maman. Oui, il va bien. Enfin, il est édenté, mais il va bien. Oui, là-bas. Il a mal, mais ça passera. Bon, maman, je suis occupé, là. Je te rappelle, je t'embrasse. Il a encore mal. Non. Mais pourquoi inquiéter votre mère? Oh, on peut pas faire autrement, faut toujours qu'il inquiète. Bon, ça suffit maintenant, Véronique. C'est quoi ce psychodrame? C'est vrai, Véronique. Est-ce qu'on s'intéresse à autre chose qu'à soi-même? On voudrait bien tous croire à une correction possible dont on serait l'artisan et qui serait affranchie de notre propre bénéfice. Est-ce que ça existe? Hein? Certains hommes traînent, bon, ben ça c'est leur manière. D'autres refusent de voir le temps passer, de le faire. Bon. Quelle différence? Les hommes s'agitent comme ça jusqu'à ce qu'ils soient morts. Les malheurs du monde, l'éducation. Tenez, vous écrivez un livre sur le Darfour. Bon, moi je comprends très bien qu'on puisse se dire, bon, je vais prendre un massacre, il n'y a que ça dans l'histoire, je vais écrire dessus. Ben voilà, ben, on se sauve comme on peut. Non mais j'écris pas ce livre pour me sauver, moi. Vous l'avez même pas lu, vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Mais non mais peu importe. Oh. C'est terrible, hein, cette odeur de Kouros. Abominable. Oh. C'est vrai que vous n'êtes pas allé de main morte, là. Pardon. Oh, vous y êtes pour rien, c'est moi qui ai pulvérisé névrotiquement. Oh, pourquoi ne peut-on être léger? Pourquoi faut-il toujours que les choses soient exténuantes? Vous raisonnez trop, Véronique. Enfin, les femmes raisonnent trop. Une réponse originale qui vous déconcerte agréablement, je suppose. Je sais pas ce que raisonner trop veut dire et je ne vois pas à quoi servirait l'existence dans une conception morale du monde. Voyez ma vie. Tais-toi! Tais-toi! J'exècre cette connivence minable et tu me dégoûtes. Oh, un peu d'humour, s'il te plaît! Je n'ai aucun humour et j'ai pas l'intention d'en avoir. Moi, je dis le couple, la plus terrible épreuve que Dieu puisse nous infliger. Voilà. Parfait! Le couple et la vie de famille. Bon, vous n'êtes pas censé nous faire partager vos vues, Michel. Je trouve ça même indécent. Oh, ça ne le gêne pas. Vous n'êtes pas d'accord? Ben, ces considérations sont hors de propos. Alain dit quelque chose. Ouais, mais il a le droit de penser ce qu'il veut. Mais il n'est pas obligé d'en faire la publicité. Ouais, oui, peut-être. Mais quoi, on se fiche de leur vie conjugale, hein? Non, mais on est là pour régler un problème d'enfant. On se fiche de leur vie mais conjugale. Mais oui, mais enfin, écoute... Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est lié. C'est lié, bien sûr que c'est lié. Mais oui. Ah, que Bruno se fasse casser dedans, c'est lié à notre vie conjugale. Mais évidemment. Alors là, nous vous suivons. Là. Renverser la proposition et admirer la situation où nous sommes. Les enfants absorbent notre vie, la désagrège. Les enfants nous entraînent au désastre, c'est une loi. Quand tu vois les couples qui s'embarquent en riant dans le matrimonial, tu te dis, ils ne savent pas. Ils ne savent rien, les pauvres, ils sont contents. On ne vous dit rien, des parents. J'ai un copain de l'armée qui va avoir un enfant avec une nouvelle fille. Je lui ai dit, un enfant à nos âges, quelle folie! Les 10-15 ans de bons qui nous restent avant le cancer ou le stroke. Tu vas te faire chier avec un mot! Voilà. Vous pensez pas ce que vous dites, Michel? Il le pense! Bien sûr que je le pense, je pense même pire. Hein. Oui, vous vous avilissez, Michel. Ah bon? Bon, Véronique, arrêtez de pleurer, vous voyez bien que ça le galvanise. Exceptionnel. Exceptionnel, hein? Ah ouais, non, non. Je peux vous offrir un cigare? Alors, ah. Pas de cigare ici, là. Bon, bah, tant pis. Vous ne t'apprêtez pas à fumer un cigare, Alain? Annette, c'est bon, je fais ce que je veux, ça va. Écoute, si je veux accepter un cigare, j'accepte un cigare. Bon, que je ne fumerai pas pour ne pas énerver Véronique, qui est déjà plus qu'un cran. Elle a raison, Véronique. Arrêtez de renifler comme ça. Quand une femme pleure, un homme est aussitôt poussé aux dernières extrémités. Encore que... Le point de vue de Michel, j'ai le regret de dire, soit parfaitement fondé. Oui.
Ouais, vas-y. Alors, tu mets Paris, le et une heure précise. À l'heure à laquelle tu l'envoies. C'est infernal. Ouais, non, mais il faut que ce soit tout chaud sorti du Je vis ça du matin au soir. Non, mais du matin au soir, il est accroché à ce portable. Notre vie est hachée par le portable. Attends, excusez-moi une seconde. Ouais. Annette, c'est très important. Merci. Oh, mais oui, mais c'est toujours très important, hein. Tout ce qui se passe à distance est toujours plus important. Une manœuvre qui intervient avec un jour de la révision des comptes. À table, n'importe où, dans la rue. Une étude entre guillemets. Je dis plus rien. Oui, mais une capitulation totale. Une étude entre J'ai de nouveau envie de vomir. On a qu'à me citer. Où est la cuvette? Je ne sais pas. Du cours et de tentative de Elle est là. Stabilisation. Je vous en prie, allez-y. Affirme votre Quoi? Voilà, avocat de la société. Tout va bien, on est équipé maintenant. Bon, écoute, on va AFP, Reuters, presse généraliste, presse spécialisée. Ok? Ouais. Elle a de nouveau envie de vomir. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, écoute. Oh, ta tendresse me touche. Bah non, mais je m'inquiète. Excuse-moi, j'avais pas compris. Ça va, mais du coup, je t'en prie, on va pas s'y mettre. Nous aussi, ils s'engueulent déjà. Leur couple est déliquescent, on n'est pas obligé de leur faire concurrence. Je vous défends de dire que notre couple est déliquescent. Oui, Maurice. Oui, oui, on vient de me le lire à l'instant. Ouais, mais je vous l'envoie tout de suite. Non, manipulation. Bah, manipulation du coup. Oui, 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 je vous l'envoie tout de suite, je vous l'envoie. Non, mais attendez, c'est pas moi qui le dis, c'est François. Hein. Michel. Oui, Michel, pardon. Je vous défends de porter le moindre jugement sur notre famille. Écoutez, ne portez pas de jugement sur notre fils. Mais ça n'a rien à voir, votre fils a cogné le nôtre. Mais écoutez, ils sont jeunes, ce sont des gamins, ça va. De tout temps, les gosses se sont castagnés dans les cours de récré, c'est une loi de la vie. Non. Mais non. Si, mais si, mais si. Mais si, de tout temps, les gosses se sont castagnés, c'est une loi de la vie. Moi, je... Il faut un certain apprentissage pour substituer le droit à la violence. Hein. À l'origine, je vous rappelle quand même que le droit, c'est la force. Hein, chez les hommes préhistoriques, peut-être. Pas chez nous. Chez nous. Ah, d'accord. Chez nous, expliquez-moi chez nous. Vous me fatiguez. Je suis fatiguée de ces conversations. Vous voyez, Véronique, moi, je crois au dieu du carnage. Oh. C'est le seul qui gouverne sans partage depuis la nuit des temps. Vous intéressez à l'Afrique, n'est-ce pas? Oui. Bon. Ça va pas? Ça va pas? Non, mais... Ne t'occupe pas de moi. Bah si, si, si. Non, tu vas bien. Vous voyez, Véronique, il se trouve que je reviens du Congo. Là-bas, les gosses sont entraînés à tuer dès l'âge de 8 ans. Dans leur vie d'enfant, ils peuvent tuer des centaines de gens. Hein, au Kalachnikov, au 12, à la machette, au grenade launcher. Hein. Alors comprenez quand même que lorsque mon fils casse une dent, même deux, hein, à l'un de ses camarades, avec une tige de bambou square de l'aspirant du Nord, je sens un petit peu moins disposé que vous à l'effroi, à l'indignation. Hein. Vous avez tort. Grenade launcher. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Bon, ben, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Non, ça va parfaitement. Ouais, c'est de la bile, c'est rien. Ne m'apprenez pas l'Afrique, hein. Je suis très au fait du martyr africain. Je suis plongée dedans depuis des mois. Ça, je n'en doute pas. D'ailleurs, à ce propos, vous savez quoi? Le procureur de la CPI a ouvert une enquête sur le Darfour. Non, oh, vous croyez pas me l'apprendre? Ne la lancez pas là-dessus, par pitié. Véronique, Véronique, Véronique. Je commence à vous trouver sympathique, Véronique. Pas moi. Elle se déploie pour la paix et la stabilité dans le monde. Tais-toi. Vous êtes sûr? Si, si, ça va me faire du bien. Mais nous vivons en France. Nous ne vivons pas à Kinshasa. Nous vivons en France avec les codes de la civilisation occidentale. Ce qui se passe... Square de l'aspirant du Nant relève des valeurs de la société occidentale à laquelle vous déplaise, je suis heureuse d'appartenir. Battre son mari doit faire partie des codes. Michel, ça va mal se terminer. Si j'étais sur vous avec une furia, moi à votre place, je serais attendri. Hein. Oui, bah je peux recommencer tout de suite. Hein. Il se moque de vous. Vous vous rendez pas compte hein. Mais non, mais au contraire, la morale nous prescrit de dominer nos pulsions. Mais parfois, on n'a pas envie de les dominer, enfin. On n'a pas envie de baiser en chantant la Nuit Day non plus. On le trouve ici, ce robe, là, ou pas? Ah non, de Smilésine, ouais. Ça m'étonnerait. Grenade launcher. Grenade launcher. Alors là, ah oui, non, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Grenade launcher, oui. Mais pourquoi tu dis pas
lanceur de grenades. Mais parce qu'on dit grenade launcher, je veux dire, personne ne dit lanceur de grenades. Hein? De même qu'on dit pas... De même qu'on dit pas canon 12, on dit 12. Mais c'est qui, on? Annette, c'est bon, ça suffit. Les grands baroudeurs, comme mon mari, ont du mal, il faut le comprendre, à s'intéresser aux événements de quartier. Exact, exact. Ouais, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Nous sommes citoyennes du monde, je ne vois pas pourquoi. Il faudrait lâcher sur le terrain de la proximité. Oh, Véro, épargne-nous ces formules allemand moelleuse. Ouais, ouais. Je vais le tuer. Ouais, non, t'enlèves lamentable. Grossière, ouais, grossière. Non, mais elle a raison, ça devient intolérable. Bon, d'accord, mais sinon, il approuve le reste ou pas? Bien, bien, bien. D'accord, ok, ok, super. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, grenade launcher. On disait, n'en déplaise à mon mari, qu'il n'y a pas d'endroit meilleur qu'un autre pour exercer notre vigilance. Vigilance. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Non, Annette, c'est absurde de boire dans ton état. Là. Dans quel état? Au contraire. Hein. Intéressant, cette notion. Oui. Ah non, 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 aucune interview avant la diffusion du communiqué, là. Ah non, 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 je parle. Non, non. Monsieur, je vous sens d'interrompre cette conversation éprouvante. Non, 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 surtout pas, surtout pas. Les actionnaires s'en foutront. Bah vas-y, vas-y. Bah, rappelle-lui la souveraineté des actionnaires, tiens. Tiens, comment il va te prendre. Non, non, tu... Annette, non, s'il te plaît, arrête, qu'est-ce que... Annette. Mais t'es démente. Mais c'est complètement dingue, faut te faire interner ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fous? Il est neuf. Mais j'ai mis des heures à le configurer, j'ai rien à voir, j'ai ma vie entière pour moi, bordel. Mais on va récupérer, il est foutu là. Ça joue pour papa, c'est un geste irresponsable. Ça les fait marrer en plus. On va retirer la batterie, la pute. Ça y est, je viens de voir, je sais même pas comment. Ah, montrez. Ça les fait rire, ça les fait marrer, mais non mais... Bah quant à toi, l'argeline, hein, tu pourras avoir le bon goût de ne pas trouver ça drôle. Eh, mon mari aura passé son après-midi à sécher des choses. Il est foutu, arrêtez, il est naze, le truc, là. Il est foutu. Il faut attendre. Vous voulez utiliser le téléphone? Je dois dire... Qu'est-ce que vous voulez dire, Michel? Ah, je ne dois même pas quoi dire. On sent bien, je trouve. On sent mieux. On se sent tranquille, non? Mais les hommes, ils sont tellement accrochés à leurs accessoires. Non, mais ça les diminue. Ça leur enlève toute autorité. Un homme doit être libre de ses mains, je trouve. Même une mallette, ça me gêne. Oh, un jour, un homme m'a plu et je l'ai vu avec un sac rectangulaire en bandoulière. Un sac en bandoulière d'homme. Oh, non mais c'était fini. Non mais parce que le sac en bandoulière, il n'y a rien de pire. Eh ben le portable aussi à portée de main, il n'y a rien de pire. Un homme doit donner l'impression d'être seul, je trouve. Enfin, de pouvoir être seul. Oh, et moi aussi, j'ai une idée de John Wayne, de la virilité. Qu'est-ce qu'il avait dit? Un colt, un truc qui fait vide. Un homme qui donne pas l'impression d'être un solitaire n'a pas de consistance. Je trouve. Alors, Michel?
Ça se désagrège un peu, là, notre petit... Comment vous avez dit déjà? J'ai oublié le mot. Mais finalement... Bah, on est presque bien, je trouve. Je vous préviens quand même que leur homme rend dingue. Hein. Je suis un peu plus normale. Je commence à voir les choses avec une agréable sérénité. C'est la meilleure. Une agréable sérénité. Quant à toi, Darjeeling, je ne vois pas l'utilité de te dégringuer ouvertement. Boucle-la! Détendez-vous, Alain, choisissez. Oyo des cartes. On ne fume pas le cigare dans la maison! Oyo du maire, Oyo. On ne fume pas le cigare dans une maison où un enfant est asthmatique. Qui est asthmatique? Notre fils. On avait bien une saloperie de hamster. C'est vrai qu'avoir un animal, c'est pas conseillé quand on a de l'asthme. Pas du tout recommandé. Et même un poisson rouge peut s'avérer contre-indiqué. Non mais je suis obligée d'écouter ces inepties. Je regrette. Je suis sans doute la seule à ne pas voir les choses avec une agréable sérénité. D'ailleurs, j'ai jamais été aussi malheureuse. Je crois que c'est le jour de ma vie où j'aurais été le plus malheureuse. Boire te rend malheureuse. Michel, chaque mot que tu prononces m'anéantit. Je ne bois pas. Je bois une goutte de ta merde de rhum, là. Tu présentes comme si tu montrais le Saint-Suaire à des ouailles. Je ne bois pas. Je le regrette amèrement. Je serais soulagée de pouvoir m'enfuir dans un petit verre au moindre chagrin. Mon mari aussi, il est malheureux. Il a l'air abandonné au bord d'un chemin. Je crois que c'est le jour le plus malheureux de sa vie aussi. Ouais. Oh, je suis désolée, toutou. Oh, mais arrête ce séchoir, il est marre son truc. Oui. Maman. Oui, parce que c'est un médicament qui peut te tuer. C'est du poison. Ne quitte pas, maman. Quelqu'un va t'expliquer. Et dites-lui. Quoi? Est-ce que vous savez sur votre saloperie? Non, mais qu'est-ce qu'il peut lui dire? Il sait rien. Allô? Oui, comment ça va, madame? Ah, vous avez mal? Ben oui, bien sûr. Oui, oui mais l'opération va vous sauver. L'autre jambe aussi. Ah oui. Non, non, je ne suis pas orthopédiste, non, je m'appelle docteur. Non, mais docteur, mais raccroche. Mais vous, je veux dire, vous n'avez pas de problème d'équilibre ou de... Non, 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 n'écoutez pas ce qu'on vous dit, non, non. Néanmoins, c'est aussi bien si vous l'arrêtez un temps quand même, hein. Ben, le temps de... Oui, le temps de vous faire opérer tranquillement, quoi. Oui, oui, je sens que vous avez la forme, on sent bien ça. Ouais. Bon, tu as compris, maman? Tu l'arrêtes, hein, immédiatement, hein. Mais pourquoi faut-il que tu discutes tout le temps? Maman? Tu l'arrêtes immédiatement. Maman, on est occupé, là. Je te rappelle, on te rappelle, on t'embrasse, je t'embrasse, au revoir, maman! Elle m'épuise! Elle m'épuise! Est-ce qu'on peut s'emmerder dans la vie? Bon alors! Est-ce que je reviens avec Ferdinand? Non, parce que faudrait se décider, hein. On est quand même là pour ça, hein, je vous signale. On a l'air s'en foutre, là. Hein. Oh, mais attends, c'est moi qui vais avoir un malaise. Où est la cuvette? À mon avis, il y a des torts des deux côtés. Voilà. Il y a des torts des deux côtés. Vous êtes sérieuse? Pardon. Vous pensez ce que vous dites?
Oui, je le pense. Notre fils Bruno, à qui j'ai dû donner deux efferalgans codéinés cette nuit, a tort. Il n'est pas forcément innocent. Hein. Foutez le camp. Je vous ai assez vu, mais... Foutez le camp. Au sac. Au sac. Elles sont déchaînées, là. Au sac. Oh. Allez, au secours. Allez, oui, ça va, au secours. Oui, ça va, c'est... on y va, c'est bon, ça va. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Il n'y a pas des torts des deux côtés. On ne confond pas les victimes et les bourreaux. Les bourreaux. Oh, tu me fais chier, Véronique, maintenant, avec ce monument simpliste. Comme je revendique. Oui, tu revendiques, tu revendiques. Ça déteint partout, maintenant, ton engouement pour les nègres du Soudan. Michel, je suis épouvantée, mais... pourquoi tu te montres sous ce jour horrible? Parce que j'en ai envie. J'ai envie de me montrer sous un jour horrible. Mais un jour, vous comprendrez l'extrême gravité de ce qui se passe dans cette partie du monde. Et vous aurez honte. Honte de votre inertie et de ce nihilisme affect. Ah, mais tu es formidable, Darcy. Oui. La meilleure d'entre nous. Oui. Filons alors. Qu'est-ce qu'on fait encore dans cette baraque? Non, je veux encore boire, je veux me saouler la gueule. Non, parce que cette conne, elle balance mes affaires et personne ne bronche. Je veux être ivre. Mais c'est bon, tu l'as assez, là, ça va. Pourquoi tu laisses ton fils traiter de bourreau, hein? On vient dans leur maison pour arranger les choses et on se fait insulter et brutaliser et imposer des cours de citoyenneté planétaire. Eh ben notre fils, il a bien fait de cogner le vôtre. Et vos droits de l'homme, eh ben je me torche avec. Ah, hop, un petit coup de gnôle et le vrai visage apparaît, hein. J'ai passé la femme à un autre réservé avec une douceur de trait. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que vous aviez dit, vous? Qu'elle était fausse. Oh. Elle est fausse, cette femme, je regrette. Ah, d'accord, alors vous la connaissez depuis un quart d'heure, vous savez qu'elle était fausse, vous? Chance à tout de suite, tu es, Jean. Ah, c'est vrai! Ah, mais d'accord. Mais fausse, attendez, c'est-à-dire fausse. Non, mais je veux pas entendre. Pourquoi tu prends des choses? Non, calme-toi. C'est une arrondisseuse d'angle. En dépit de ses manières, elle est pas plus concernée que vous. Ouais. C'est vrai! C'est vrai! Oh non, c'est vrai? Ah oui. Vous dites c'est vrai? Mais ils s'en tapent complètement depuis le début. Ah, mais elle aussi, tu as raison. Ah d'accord, mais pas vous peut-être, hein. Non. Laisse parler. Alors expliquez-moi, Michel, vous, en quoi vous êtes concerné, hein. Que veut dire ce mot d'ailleurs, concerné? Parce que vous, je vous trouve beaucoup plus crédible sous votre jour horrible, là. Parce que la vérité, ici, il n'y a personne qui est concerné, hein. Sauf Véronique, à qui il faut, là, c'est vrai, reconnaître cette intégrité. Vous ne reconnaissez rien? Ne me reconnaissez rien? Non mais moi je suis, tout à fait concernée. Mais oui, mais Annette, mais nous sommes tous sous le mode hystérique, non comme des héros de la vie sociale. J'ai vu votre amie Jane Fonda l'autre jour à la télé, là. Franchement, j'étais à deux mains d'acheter un poster avec Hugues Clandre aussi, hein. Mais qu'est-ce que Jane Fonda vient faire maintenant? Mais parce que vous faites partie de la même espèce, Véronique. Vous faites partie de la même catégorie de femmes. Les femmes investies, solutionnant. C'est pas ce qu'on aime chez les femmes. Ce qu'on aime chez les femmes, c'est... la sensualité, la folie, les hormones. Les femmes qui font éteindre leur clairvoyance nous rebutent. Regardez, même lui, là, votre mari, là, ce pauvre Michel, là, il est amputé. Bon. Non, ne parlez pas mon nom. On se fout complètement de ce que vous aimez chez les femmes. Non, mais d'où sort cette tirade? Bon, allez. Vous êtes un homme dont on se fout royalement de la vie. Hé, hey, Lure, quartier maître sur un tonnier du 19e siècle. Et allez, Lure, pas quand on dit que son petit connard a bien fait de tabasser le nôtre. Mais oui, il a bien fait. Au moins, on n'a pas un petit pédé qui s'écrase. Ah, voilà. Vous avez une balance. C'est mieux. Attends, ah, qu'est-ce qu'on fait quand on s'est pas mal? Non. Et voilà ce que je veux. Je fais de vos fleurs minables, de vos tulipes hideuses. Pire jour de ma vie aussi.
C'est à vous. Elles sont intactes. Je dois dire. Non, laissez, Alain, laissez, 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 laissez. Allô? Oui, ma chérie. Ah bon? Bah, tu pourras faire tes devoirs chez Annabelle? Non, chérie, on l'a pas retrouvée. Mais si, je suis allée même jusqu'au Franprix. Mais, écoute, je crois qu'il faut lui faire confiance. Grignotte est très débrouillarde. Bah, tu crois qu'elle se plaisait dans une cage? Papa est triste. Bah, il voulait pas te faire de peine. Mais si, tu vas lui reparler. Écoute, chérie, on est déjà assez embêté comme ça avec ton frère. Ben, mangera. On aura des feuilles, des escargots, des marmondins. Elle trouvera. Ben, c'est ce qu'elle doit manger. Des glands, Écoute, ce qui sera tombé des poubelles. Elle est omnivore comme vous, comme nous. Oui. Bon. À tout à l'heure, hein, chérie. Si ça se trouve, cette bête fesse toi alors qu'il est. Non. Qu'est-ce qu'on sait?